tous. Nous voici de retour pour une nouvelle revue. Comme chacun le sait, il y a quelques semaines nous avions les fêtes de la Noël. Et comme je suis un grand enfant, il a bien fallu me faire un cadeau de Noël. Vous l'avez devant les yeux et je suis très content de faire cette revue car c'était vraiment un beau cadeau de Noël. Ce stylo a été fabriqué par un artisan australien dont le pseudo est Just Turnings. On peut trouver Just Turnings sur Facebook ou sur Instagram. Personnellement, je suis passé par Instagram car je ne suis pas sur Facebook. C'est un artisan pour retracer juste euh, en quelques mots son histoire. Il a commencé à améliorer sa technique pour euh, faire des, des stylos encres pendant le Covid. Il a été mis en disponibilité euh, par son patron euh, pendant le Covid. Et donc il a eu du temps devant lui et il a utilisé ce temps-là pour pousser sa technique en faisant des, des stylos plumes. La méthode pour rester chez lui est donc tout simplement de regarder ses réalisations et après d'aller discuter à partir de la messagerie par exemple d'Instagram pour euh, lui demander combien coûterait un stylo, si les, les matériaux sont disponibles, quelle plume vous voulez, etc. etc. Ce stylo a été fait à partir d'un blancs de Tornpenco. Alors un blancs, ce n'est rien d'autre qu'un cylindre, qu'il soit en acrylique ou, ou en bois ou autre. C'est un cylindre, un cylindre, pardon, dans lequel l'artisan va pouvoir manufacturer, créer le stylo. Le blancs de Tornpenco est opale. Côté plume, j'avais le choix entre du Jojo et du cypress. J'ai pris la plume cypress en M medium. J'avais le choix aussi entre une finition polished, c'est-à-dire brillante ou matte, et j'ai choisi matte. Pour terminer, le stylo est arrivé dans une boîte avec sa petite housse que vous avez sous les yeux. Vous avez les images aussi de la boîte au début de la vidéo. C'est vraiment un geste très appréciable. J'aime bien la housse avec son petit côté enfantin. Regardons ce stylo de plus près. Alors j'ai un petit peu augmenté la lumière, car c'est un stylo qui se voit bien mieux avec un petit peu de lumière. Comme vous pouvez le voir, il a de magnifiques reflets. Donc il est très simple d'usinage. Il est très très bien usiné. Aucune aspérité, rien du tout. Tout fonctionne très bien. Et surtout, comme je vous le disais, il est vraiment très beau, de très belle brillance, avec une couleur claire. tout simplement magnifique. Alors le nombre de tours pour décapuchonné un tour et demi. Donc c'est très très bien. Le moins qu'on puisse dire c'est que ça a été usiné Extrêmement bien. Je n'ai pratiquement aucun jeu. Et quand j'arrive vers la fin, il n'y en a plus aucun. Donc même si je fais juste un petit peu au début, je n'ai pratiquement aucun jeu. La plume. Très très jolie. Toujours cette belle chatoyance sur le grip. Le grip n'est pas du tout glissant. Il a une belle incurvation, juste ce qu'il faut. Très agréable. Ce niveau-là. Retirons le corps du stylo. Alors il y a beaucoup de tours. Alors disons les choses clairement, c'est très très bien usiné, très très bien manufacturé. Il n'y a aucun jeu. Mais vraiment aucun. Ça se vit sans effort, mais il n'y a pas de jeu. Il faut un petit peu plus d'effort vers la fin, ce qui me semble normal vu qu'on arrive. Vers la fin il y a beaucoup de frottement sur tous les pas de vis qui sont avant et ça tient très bien. Le cas aucun jeu. Même vers la fin il n'y a pas de jeu. Voilà, un tout petit peu ici, on est vraiment vers la fin, mais vraiment c'est très faible. Donc à partir du moment où j'ai fait un seul tour, il n'y a quasiment plus de jeu. Un convertisseur tout ce qu'il y a de classique. Alors je vois pas de marque, mais ça pourrait ressembler à un Schmitt ou quelque chose comme ça. Celui qui de bonne qualité, aucun souci. Le convertisseur rentre aux petits oignons. Très très bien, pas de jeu. Là il y a un petit peu ici, c'est normal. Et une fois qu'on l'a mis Vraiment plus aucun jeu, c'est parfait. Il tient très bien. Pas de problème du côté du pas de vis, tout est impeccable. Je tiens à vous faire remarquer l'épaisseur de l'acrylique. La, de, de Impressionnant. Ce stylo a plus de poids que les, les stylos en acrylique usuels. Et je vous laisse observer l'épaisseur. On a vraiment une très belle épaisseur de l'acrylique. Ce qui me l'a fait observer, c'est en revissant ici. En fait, on voit que le convertisseur rentre pile poil. Ça frotte même un petit peu. Donc clairement, ça veut dire que l'épaisseur de l'acrylique, en fait, on ne peut pas faire plus épais, sinon, on ne rentrerait plus le convertisseur. Donc on a vraiment le droit à une acrylique bien épaisse. Je vois bien euh, effectivement un, un plastique à l'intérieur. Alors est-ce que c'est un plastique ou un décrochage Je ne saurais dire. Mais en tout cas, il y a un décrochage au fond du stylo. Donc certainement pour que la plume ne sèche pas. Au fond du capuchon, je voulais dire pas du stylo. Très bien usiné, il n'y a vraiment rien à dire. On a le droit à une belle épaisseur d'acrylique. Cette couleur est absolument magnifique. C'est vraiment un très beau stylo. J'ai tenu aussi à vérifier l'usinage de l'emplacement de la plume. Pour ceci, j'ai sorti une plume. je vais retirer la plume Cypress et je vais voir si la plume Joho entre écoutez sans problème. Voilà. Donc, c'est parfaitement compatible, Joe. La possibilité, sans souci, de changer de plume. Continuons par le poids. Je pense que, vu l'épaisseur de l'acrylique, pour un stylo acrylique, je pense que ça va être impressionnant, entre guillemets, sachant que ça reste quand même un stylo en acrylique. 5,5 grammes et demi. Je rappelle qu'il n'y a pas d'agrafe, euh, rien du tout. Par curiosité, je voulais voir le corps. Presque 10 grammes. 15 grammes pour le corps plus grippe. Nous, so nous allons donc être aux alentours de 21 grammes pour le stylo complet. On a bien aux alentours de 21 grammes. Ce qui commence à être un beau poids pour un stylo en, en acrylique. Passons aux dimensions. Voici les stylos que j'ai mis. Pour comparaison, nous avons ici un Pilot 743, ici un Pilot KD en bois, le stylo qui a été fabriqué par Just Turnings, l'usuel Lamy Safari et ici un Mayora Alpha Costiera. Le stylo manufacturé par Just Turning est un tout petit peu plus petit que le Pilot 743 de très peu sinon il est plus long que l'ensemble des stylos que ce soit le Mayora, le Lamy Safari et le Pilot Kaed. Lorsque nous regardons maintenant avec le capuchon retiré le Just Turning est un peu plus long que les autres, suivi de très très peu par le Pilot 743, et les trois derniers sont approximativement égalité un petit peu derrière. Il n'y a quand même pas des grosses différences non plus entre ces stylos. C'est relatif, c'est vraiment d'une courte tête que le Just Turning est un petit peu plus, un petit peu plus long je ne ferai pas par contre l'étude des longueurs stylo-posté car le just turning ne poste pas. en ce qui concerne les diamètres, le just turning a un diamètre un petit peu plus important que les pilotes et le lamy safari mais un tout petit peu moins que le mayora mais le mayora et de toute façon les mayora et de manière générale euh, sont assez importants au niveau du diamètre le Mayora est un petit peu plus important en moyenne mais pas mais pas de beaucoup. Par contre au niveau du grip, le Just Turning sera un petit peu plus petit que le Mayora. Pour le test d'écriture, je vais ancrer le stylo avec la Sailor Black. Nous passons au test d'écriture. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce test d'écriture C'est un vrai plaisir d'écrire avec ce stylo. La plume est très très douce, ça glisse extrêmement bien sur le papier. Assez peu de feedback, c'est une plume M en même temps. Et la plume est très très humide. Donc tout va bien de ce côté-là. Du côté du confort, c'est très très confortable. Il n'y a aucun souci. Je vous fais remarquer que si on ne peut pas poster le stylo, il n'y a pas de problème en termes de longueur. Il y a de la marge. Et du côté du grip, c'est très très confortable. Pas du tout glissant. Impeccable. Pour résumer, j'ai grand plaisir à écrire avec ce stylo. Pour conclure, qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que je n'ai pas aimé L'avantage de faire appel à un artisan, c'est justement de pouvoir choisir ses finitions, donc l'acrylique ou du bois, ou quel que soit ce qu'on veut, on peut toujours lui demander. Dans le cas présent, je suis bien entendu très content de, de la finition et de l'acrylique, c'était mon choix et je le trouve absolument magnifique. Côté plume, j'avais le choix entre et... Et Mr. Cypress. J'ai choisi Mr. Cypress pour changer et ne pas avoir une fois de plus une Joe. J'en suis très content. La plume est très très douce à l'écriture et très humide. Le stylo globalement est vraiment très confortable, même pendant les, les sessions d'écriture assez longues. Donc de ce côté là, aucun souci. Ça fonctionne très bien. Du côté de tout ce qui est visserie, c'est très très bon, c'est relativement facile de visser, dévisser, et il n'y a pratiquement voire aucun jeu, donc c'est très 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 bien fait. Et par ailleurs, lorsqu'on regarde du côté du convertisseur, pareillement, il s'encastre bien, c'est parfait. Ensuite, que dire sinon que l'acrylique est vraiment épaisse et ça donne vraiment une sensation au niveau de, du stylo de solidité, vraiment une très bonne sensation dans la main. Pour cet acrylique, j'ai choisi une finition mate, ce qui est assez inhabituel pour les acryliques. D'habitude, on choisit toujours une, une finition qui a été polie, parce que ça amène un brillant à l'acrylique. Je suis très content dans le cas présent d'avoir choisi cette finition mate, parce qu'elle donne une sensation au toucher un peu de pierre lisse. Par ailleurs, si un jour j'ai envie de changer et d'avoir ce stylo dans une finition un peu plus brillante, ça n'a rien de compliqué de faire un polish de l'acrylique. Il sera toujours possible de le faire si mon humeur change. Du côté de ce que je n'ai pas aimé, eh bien, je cherche encore. Merci à vous. My final message will be for Mr. So just. This pen was for me a Christmas gift. I love it. And I'm really happy with it. You have done a pretty good job. The pen is well finished. Absolutely beautiful. Sorry for my French accent and thank you very much. Take care and see you.